Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 4 idées de décoration de Noël à réaliser très rapidement mais surtout très facilement. C'est parti! Donc on va commencer à réaliser des petites pièces comme ceci que l'on va pouvoir personnaliser en fonction de nos goûts. Donc pour les réaliser, moi j'ai utilisé une pâte à modeler qui sèche à l'air libre, donc que je trouve chez Action. On peut remplacer cette pâte par de la pâte Fimo ou bien faire tout simplement une pâte à sel. Donc je vous propose pour réaliser ces petites pièces d'utiliser des petits emporte-pièces, donc spécial déco de Noël. Moi j'ai trouvé les miens chez Ikea, de base ce sont des emporte-pièces pour faire des sablés. Donc je prends une boule de pâte que j'étale et je viens tout simplement poser mon emporte-pièce dessus pour y réaliser ma forme. Et donc après ça, il ne me reste plus qu'à retirer tout simplement mon petit emporte-pièce et supprimer l'excédent de pâte. Je vais laisser sécher le tout pendant 24 heures à peu près. Et ensuite, je reprendrai avec ma lime tout ce qui est petite cochonnerie au niveau des extrémités. Donc si vous avez utilisé une pâte Fimo, mettez le tout au four. Et pareil, si vous avez fait une pâte à sel. Une fois le temps de séchage passé avec notre lime, on va venir retirer tous les excédents de cochonnerie. Donc vous allez voir que ça se retire très bien, un petit coup de lime, et on va obtenir quelque chose de bien propre. Donc comme ceci, vous voyez, j'ai quelque chose de vraiment net. Et ensuite, je vais tout simplement passer à la déco. Donc pour ma part, j'ai ajouté un petit peu de peinture, de la rouge et de la blanche afin d'obtenir ceci. Ensuite, pour ce genre de petites pièces un petit peu plus simples, on peut utiliser des emporte-pièces classiques. Donc là, je vous ai montré l'idée des emporte-pièces à relief, des emporte-pièces classiques, mais vous pouvez également utiliser des moules donc à pâtisserie ou des moules spécial Fimo, par exemple. Donc voilà, pareil, on met l'emporte-pièce sur la pâte, on retire l'excédent de pâte, on laisse sécher. Donc là, non, je vous dis des bêtises. Avant de laisser sécher, je suis venue poser des petits strass sur mon étoile tout simplement pour la décorer, donc comme ceci. Donc là, bien entendu, c'est facultatif, hein. Le but c'est de vous montrer l'idée, mais au niveau de la déco, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Et donc là, maintenant que mes petits strass sont posés dans ma pâte, je vais laisser sécher et je nettoie le tout une fois de plus à l'aide de ma lime. Voici ce que j'obtiens. Et je peux passer ensuite à la déco avec ma peinture. Et donc voici le résultat. Donc pour cette petite pièce, vous pouvez avant séchage ou cuisson faire un petit trou dessus pour y passer une attache afin de suspendre si vous le souhaitez. Pour ma part, c'était pas le cas, donc j'ai laissé le tout tel quel puisque c'est plus pour faire des petites décorations de table. Je vous propose ensuite de réaliser cette petite décoration lumineuse. Donc ce genre de petite décoration peut coûter quand même assez cher dans le commerce. Moi, celle-ci m'est revenue à peine 2 euros, donc autant vous dire qu'il vaut mieux fabriquer parfois soi-même plutôt que d'aller se ruiner. Pour la réaliser, c'est très simple. J'ai utilisé un dessous de plat en liège que j'ai trouvé chez Action, ainsi qu'une petite guirlande et des éléments de décoration tels que petits sapins ou ours blancs et de la neige artificielle que vous pouvez remplacer par du sel. J'ai également utilisé un cutter et de la colle chaude. Vous voyez sur l'image un grand vase transparent, c'est tout simplement parce que je comptais mettre cette déco sous cloche, mais au final le résultat ne me plaisait pas, donc je ne vais pas l'utiliser. Donc on commence par poser nos éléments où l'on souhaite sur notre plaque de liège. Et une fois qu'on est sûr de notre coup, on va venir coller le tout avec de la colle chaude de façon à ce que ça ne bouge plus. Donc ensuite, on va placer notre guirlande autour de nos éléments de décoration. Donc pour poser ma guirlande, je suis venue faire une petite entaille comme ceci au niveau de l'arrière, donc afin d'y glisser mon fil à l'intérieur. Mais au final, je trouve pas ça vraiment nécessaire, mais bon, maintenant que c'est fait. Donc j'ai fait une petite entaille, vous voyez, pour faire passer le fil comme ceci. J'ai fait une petite marque au feutre et j'ai découpé avec mon cutter. Et voici ce que j'ai obtenu. Donc vous voyez, je glisse mon fil dedans, mais comme je vous l'ai dit, finalement, c'est pas hyper nécessaire. Donc après, je vais enrouler, comme je vous l'ai dit, ma guirlande tout autour de mes éléments de décoration et je vais faire tenir le tout à l'aide de petits points de colle chaude afin d'être sûr que ce soit bien fixe. Donc je fais le tour de mes éléments avec ma guirlande jusqu'à ce que j'arrive au bout de ma guirlande.
Donc j'ai tassé, j'ai serré le tout correctement au niveau du bas de mes éléments de façon à ce que ça ne ressorte pas trop, que ce soit bien compact, on va dire. Et donc une fois que ma guirlande est placée, je viens la recouvrir et la cacher avec ma fausse neige. Donc c'est une déco qui est assez fragile, que l'on peut mettre au centre d'une table, par exemple, lors du repas de Noël. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut manipuler tous les 5 minutes puisque la neige va se sauver puisqu'elle est juste posée. Donc voilà, j'ai recouvert le tout. J'ai ensuite rajouté quelques éléments comme un petit buisson artificiel. J'y ai également ajouté, puisque je trouvais ça un petit peu fade, mes pièces que j'ai réalisées précédemment avec ma pâte à modeler durcissante. Donc vous voyez, avec presque rien, on peut vraiment faire des choses assez jolies. J'espère en tout cas que vous, ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi perso, j'adore. Ensuite, et encore une fois, avec presque rien, on va réaliser un joli petit photophore. Donc pour cela, j'ai récupéré un pot de Nutella vide que j'ai nettoyé, bien entendu. J'ai utilisé de la peinture rouge et un dutting tool. Donc c'est un objet à bourron que vous pouvez remplacer par le bout d'un pinceau ou un coton-tige, par exemple. Donc je trempe tout simplement mon dutting dans ma peinture et je viens faire des petits pointillés. Donc je ne trempe pas à chaque point mon dutting dans la peinture, je fais plusieurs points de façon à obtenir des dimensions différentes, un petit dégradé de poids, je trouve ça beaucoup plus joli. Et donc je continue comme ceci jusqu'à ce que j'ai complètement recouvert toute la surface que je souhaite recouvrir. Ça c'est compliqué ce que je viens de dire, hein, mais je pense que vous m'avez comprise. Donc voilà, je laisse le tout sécher et une fois le temps de séchage passé, je n'ai plus qu'à mettre une petite bougie à l'intérieur et à l'allumer afin d'obtenir ce résultat. Encore une fois, si l'on n'a pas envie d'aller faire du shopping pour Noël, avec ce qu'on a à la maison, on peut réaliser vraiment pas mal de choses. Pour terminer, je vous propose encore une fois une déco très simple, mais qui fait très bien son effet. Donc pour cela, j'ai utilisé mon vase transparent, un vase transparent que j'ai trouvé chez Action. Donc de base je devais faire une cloche avec, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne me plaisait pas et du coup bah, j'ai voulu l'utiliser. Donc vous pouvez prendre n'importe quel type de vase bien entendu. Et on va poser du scotch tout autour de façon à réaliser un motif. Donc moi j'ai fait un motif assez simple, mais de votre côté vous pouvez faire plein d'autres choses avec votre scotch. Donc voici pour ma part comment moi je l'ai posé. Je passe ensuite à la peinture. Donc pour peindre ce genre de choses, il vaut mieux prendre des tampons mousse. Moi, ce sont des éponges magiques que j'achète chez Action, que je découpe afin de pouvoir faire mes peintures avec. Donc je tamponne le tout. J'ai réalisé trois couches que j'ai faites sécher à chaque fois à l'aide de mon sèche-cheveux pour que ça aille plus vite. Et une fois le temps de séchage passé, je retire tout simplement et délicatement surtout mon scotch. Voici le résultat une fois tout mon scotch retiré. Donc on peut y placer toutes sortes d'éléments à l'intérieur comme bougies, guirlandes ou bien, et je pense que c'est ce que je vais faire pour le soir du réveillon, y mettre de la glace et une bouteille de vin ou de champagne dedans par exemple. Et donc voilà pour ces 4 DIY de décoration qui j'espère vous plaisent. Moi je vous retrouve très bientôt, soit demain ou bien lundi au plus tard, pour vous proposer des idées cadeaux à réaliser soi-même. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Bye!